gorge, mais regarde la vache! Je suis maigre! Je suis maigre! Je suis maigre! Je suis maigre, maigre! Non, il n'y a plus d'air là-dedans! Il n'y a plus d'air là-dedans! Disparu, mon gros c***! Je suis mince, tout mince, mince, mince! Ah bah ça, par exemple. J'arrive à voir ma queue! 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 Je suis le roi des marches! Le roi des marches! Ah, les marches, c'est de la tarte! I feel good. Vous cherchez un type de tissu en particulier? Du spandex! Que du spandex! Où sont vos articles en spandex? Ah, c'est ici! Voilà! Plus de nichons! Plus de nichons! Plus de nichons! Pas vous, moi, mes nichons sont plus là, c'est fini! Mais les vôtres sont mignons! Vous vous appelez comment? J'en reviens pas d'être aussi maigre, je me sens bien, vous savez pas à quel point. Oh, être maigre, oh, être maigre. Et ma tarte, c'est pour quand? When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel my sugar is fine. Excusez-moi. Hé hey. Est-ce que Monsieur Klump est là? Monsieur Klump, Sherman. Sherman Klump. Non, il a dû s'absenter, mademoiselle Purdy. C'est moi qui m'occupe de tout ça ici. Est-ce que je vous connais? Si vous me connaissez? Oh, ben ça! Sherman vous a pas parlé de moi? Non. Oh, ça alors! Ça, c'est bien, Sherman. C'est rien de dire qu'il me fait de l'ombre. En fait, justement, c'est moi, son confident. Est-ce que vous l'avez vu aujourd'hui? Je me demande s'il va bien. Je suis inquiète pour lui après ce qui s'est passé dans la boîte vendredi soir. Oh, mademoiselle Purdy, ça l'a mis sur le c*** complètement. Je trouve ça assez étrange qu'un homme comme ça, un type aussi intelligent que Sherman, n'ait pas plus confiance en lui. Ça me rend dingue, c'est pas possible. Quand on en parle, d'ailleurs, je lui répète, Sherman, quoi qu'il advienne, n'oublie jamais de te pavaner. Tu rentres ton bide au maxi et tu te pavanes. Évidemment, moi, je n'ai pas ce genre de problème. Non, vous n'en donnez pas l'impression. Vous griffez comme une petite tigresse, faut pas vous la faire, hein. Raison de plus pour qu'on sorte tous les deux ensemble. Rendez-vous au Scream ce soir. On boira deux ou trois verres. Et ensuite, on se pavanera un peu tous les deux. Je ne sais même pas comment vous vous appelez. Hé, hey, Buddy, on peut savoir ce qui s'est passé? Ah, vous voyez, tout le monde connaît mon nom. Buddy. Ah oui, ce n'est pas beau à voir. Je pense que M. Klump a dû avoir un ennui. Oh, au fait, monsieur, je suis bien content de vous voir. Il m'a demandé de vous dire personnellement de remercier votre charmante épouse Claire pour sa délicieuse crème renversée. Il a tout englouti. Vous la remercierez bien. Et M. Dagg, voulez-vous demander pour moi à l'entretien de passer remettre de l'ordre là-dedans? Merci, M. Dagg. Merci bien. Buddy. Buddy, c'est tout. Vous n'avez pas de nom de famille? Love. Love.